Bienvenue à votre Météo Express du mardi 15 décembre 2015. Nous sommes présentement à Mont-Louis. La neige d'aujourd'hui est la façon que Dame Nature a trouvée pour nous dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous devons avoir des pneus d'hiver. En effet, entre le 15 décembre et le 15 mars, vous devez avoir des pneus d'hiver avec le petit pictogramme qui certifie que vos pneus sont conformes à la réglementation. Voici donc vos prévisions météo selon Environnement Canada pour les prochains jours. Pour ce soir et cette nuit, de la neige, accumulation de 5 cm, des vents du nord-est de 30 km avec des rafales jusqu'à 60. Température au stade de près de moins 2 et le soleil se couchera à 15h29. Pour mercredi, des averses de neige, une petite accumulation de 2 cm, des vents du nord-est de 20 km/h devenant légers en mi-journée, maximum de moins 2 et un minimum de moins 4. Pour jeudi, de la neige intermittente, maximum et un minimum de zéro. Au niveau de l'agenda des activités, les Chevaliers de Colomb de Grosmont vous invitent au Noël des enfants qui aura lieu le dimanche 20 décembre à partir de midi. Il y aura de la musique, de l'animation, du maquillage et bien entendu des cadeaux. Le Père Noël sera d'ailleurs sur place dès 14 heures. Du côté de Mont-Louis, le dimanche 20 décembre, les Chevaliers de Colomb de Mont-Louis vous convient à une journée familiale pour souligner la fête de Noël. La journée débutera par un copieux déjeuner qui sera servi entre 8h et midi. À partir de 10h, il y aurait de l'animation musicale avec Denis Pelcha, Eric L'Italien et Pierre Darèche, ainsi que du maquillage pour les tout-petits, une projection de film. Le Père Noël arrivera à 13h avec plein de surprises. Cette fête familiale aura lieu au centre Jodrouin de Mont-Louis. Et en terminant, on désire vous rappeler que le Club Lion de Mont-Louis ramasse jusqu'au 21 décembre des denrées non périssables pour les paniers de Noël. Il lance d'ailleurs un dernier appel à votre générosité. Vous pouvez aller les déposer au marché B. Lemieux à Mont-Louis. Sur ce, on vous souhaite une belle fin de journée et on se retrouve demain pour un autre Météo Express.